Bonjour, alors je vous montre un encours en fait qui est presque plus un encours puisque la partie tricot est terminée, il est même bloqué, voilà, les fils sont rentrés. Il me reste simplement les petits boutons à mettre ici, donc bien sûr je pense que je vais mettre des petits boutons Liberty. Donc c'est la petite taille du modèle Oui Enveloppe de Isolda Tig. Donc ça c'est vraiment la taille naissance, c'est très rapide à tricoter. Alors en principe, je pense qu'il faut utiliser un fil sport. Donc moi j'ai utilisé le fil Coast de Holzgarn en double. Alors il est vraiment épais. Donc j'ai fait en sorte d'avoir le bon échantillon, mais c'est vrai que ça donne vraiment un petit pull bien épais. Je sais pas si on peut voir. Ça donne des très belles mailles. Hein. Par contre, c'est vrai que même pour faire un pull. J'irai taille femme, je pense que j'utiliserai parce que ça donne un bon rendu. Alors je ne sais plus quelles aiguilles j'ai pris, disons que c'est assez serré quand même, parce que je voulais avoir le bon échantillon. Donc la construction de ce modèle est très intéressante parce qu'en fait on commence par une manche. Donc on tricote voilà, la manche comme ça. Ensuite, donc on la tricote en rond, voilà, c'est ça, on la tricote en rond. Ensuite, en fait, on va tricoter à plat toute la partie de l'empiècement. Et ensuite, toute la partie dos. Donc en point à mousse, juste le haut, là, on va tricoter cette partie-là. Et ensuite, celle-ci. Et ensuite, on tricote la seconde manche en rond. Donc jusqu'au poignet. Et ensuite, on reprend les mailles. Et on tricote le corps. Donc c'est un modèle qui est assez sympa, qui est assez atypique au niveau de la construction. Là en fait on reprend les mailles mais en les tricotant à l'envers. C'est pour ça qu'on obtient une couture comme ça. On relève les mailles pardon à l'envers. Donc c'est plutôt sympa. Donc là il faut très peu, évidemment c'est la petite taille, il faut très peu de laine. Je ne sais plus du tout combien j'ai utilisé de cause, mais. Il ne faut vraiment pas grand chose, voilà, donc il me reste juste les petits boutons à mettre.